Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Mike, et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'infliger des dégâts avec le fusil à impulsion. Alors pour trouver des fusils à impulsion, la première solution, c'est d'aller là où il y a des grosses antennes sur la map de Fortnite. Parce que c'est tout simplement des endroits avec une technologie IO et là-bas vous aurez beaucoup plus de chances de trouver l'arme à fusil à impulsion. Alors pour trouver cette arme, vous allez devoir trouver des coffres spéciaux. Alors ces coffres, vous les voyez dans le gameplay, ils sont plus larges et ces coffres-là, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir des armes avec une technologie IO. Donc il va falloir trouver ces coffres là, ensuite ben, vous les fouillez et si vous avez de la chance vous allez tomber sur le fusil à impulsion comme je vous le montre dans le gameplay. Alors ce fusil là utilise des munitions normales, donc des munitions de fusil d'assaut. Et ce que vous allez devoir faire pour terminer le défi, c'est d'infliger 500 de dégâts à un adversaire. Alors je pense que ça fonctionne aussi contre les PNJ, donc les bots qui se trouvent sur la map de Fortnite, genre les extraterrestres aussi dans le ciel avec leur soucoupe volante. Je pense que ça peut fonctionner aussi si vous leur infligez des dégâts. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça fonctionne ou pas. Et bien entendu, la deuxième solution pour trouver un fusil à impulsion, c'est de tuer un adversaire qui lui possède le fusil à impulsion pour justement le prendre et faire des dégâts avec. Alors je ne sais pas si vous pouvez trouver le fusil dans des coffres normaux, mais si vous avez déjà réussi à avoir un fusil à impulsion dans un coffre normal, bah, n'hésitez pas à le dire en commentaire, comme ça, bah, ça informera la communauté. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile, et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, bah, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Soit Cool Mec, et ciao, peace.